Guerre au Proche-Orient maintenant, l'armée israélienne a admis avoir tué trois otages par erreur et Audrey, de nouvelles informations font surface dans ce dossier. Ce sont ces trois hommes que vous voyez ici, Véronique, des jeunes hommes de 25 à 28 ans qui faisaient partie donc de ces 250 otages là qui ont été euh, qui ont été pris en otage par le Hamas le 7 octobre dernier. Et là donc, ils ont été tués effectivement par des soldats israéliens dans un quartier de la ville de Gaza, un secteur où habituellement se, les soldats disent euh, se faire prendre souvent en embuscade. Donc ce sont les explications qui ont été données et avant de vous parler des nouveaux détails justement de cette enquête d'Israël, je veux d'abord vous faire entendre des explications sur pourquoi ils auraient été tués là ce que l'armée a expliqué hier soir. Donc aujourd'hui les soldats les soldats les otages dis-je bien ont été portés à leur dernier repos, mais l'armée s'est expliqué voici ce qu'on avait à dire là-dessus. כתוצאה מכך הכוח ירה לעברם והם נהרגו. לאחר הירי במהלך סריקה ובדיקה עלה חשד מיידי לגבי זהות ההרוגים וגופותיהם הועברו במהירות לבדיקה בארץ ושם זוהו החטופים. Donc Israël a ouvert une enquête à la suite de leur décès et aujourd'hui, ce qu'on apprend, Véronique, c'est que ces trois hommes portaient, ne portaient pas de t-shirt au moment où ils, ont été, ils sont tombés face à face avec l'armée, ont même brandi un bâton avec un drapeau blanc, un drapeau blanc improvisé finalement, et ont même appelé à l'aide en hébreu, mais malgré tout ont été tués quand même. Le soldat s'est senti menacé et il leur a tiré dessus. Alors ça a évidemment déclenché une nouvelle vague de manifestations hier soir pour demander la libération des otages, mais ça c'est ce soir. Encore à Tel Aviv devant le ministère de la Défense israélien. Donc on demande au gouvernement de faire des efforts et de cesser le combat, de négocier pour pouvoir libérer rapidement finalement ces ces otages -là qui sont toujours détenus. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a lui aussi exprimé sa tristesse a dit que c'était une tragédie insupportable ce qui s'est passé et donc reste à voir ce qui va en suivre finalement. D'ailleurs Roderick, il pourrait y avoir une nouvelle phase de trêve. Il y a des rencontres Véronique qui sont prévues aujourd'hui. Il y a eu une rencontre. D'ailleurs, dans les dernières heures, entre le ministre de la Défense euh, israélien, euh, les services secrets également. Et il y a une rencontre prévue en Europe aujourd'hui, euh, ben, en fait, au courant du week-end, avec le premier ministre du Qatar pour voir si on pourrait pas peut-être euh, s'entendre sur une nouvelle trêve qui pourrait permettre, donc, en cessant les combats, ben, de libérer des otages et des prisonniers palestiniens. Mais entre-temps, ben, évidemment, les combats se poursuivent sur le terrain. C'est euh, assez dramatique dans la bande de Gaza. Vous voyez, cette destruction qui se poursuit toujours, encore beaucoup de aérienne du côté d'Israël. Le dernier bilan qui fait état de 18 800 morts côté palestinien et 1 140 côté israélien. Merci Audrey. À plus tard.